Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors voici mon point de presse pour les semaines à venir. Alors on est heureux de vous annoncer qu'il va y avoir quelques assouplissements qu'on a reçus de notre CIUSSS. Alors je vais vous en faire part tout de suite. Moi, j'étais super contente. Alors j'espère que tout le monde, vous allez être content. Alors on peut recommencer à faire des activités en groupe, mais toujours sous supervision et en gardant toujours notre 2 mètres et ne pas oublier aussi pour la désinfection. Alors, les nouvelles mesures COVID de loisirs. Alors, je vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir les cours d'aquaforme qui seront permis à la capacité de 5 personnes, alors à 2 mètres. Et je vais être avec vous à la piscine pour faire le cours d'aquaforme qui va être mardi et jeudi. Alors, les heures seront de 9h30 à 10h30 et de 11h à midi. Et n'oubliez pas que maintenant, on n'aura plus besoin d'avoir la recommandation du médecin, mais il va toujours falloir tenir un registre et avec surveillance uniquement. Alors, on n'a plus besoin de papier médical. Alors, pour les cours d'aquaforme, à l'aide, ça va être animé aussi et on va continuer le bain libre qui va être animé par mes bénévoles. Alors, merci à vous d'être là. Alors, je vous fais confiance et puis, bon, je remercie au nom de toutes les résidents aussi d'être présents pour faire la supervision bénévole. Par la suite, j'aimerais aussi, ce qu'on va mettre en place, c'est le cinéma. Alors, à partir de cette en fin de semaine, il va y avoir le cinéma. Alors, au grand salon, vous allez pouvoir, maximum de 10 personnes, regarder un film et vous pouvez le regarder aussi dans votre salon. Alors, toujours au poste 940, mais ça va être permis d'aller au grand salon l'écouter. Alors, s'il vous plaît, on vous demande de ne pas déplacer les fauteuils et ne pas déplacer les pastilles non plus. C'est très important de garder la distanciation. Et par la suite, bon, bien, il va y avoir la désinfection qui va être faite quand le film va être terminé. Une autre nouvelle mesure COVID aussi, c'est le club de marche à l'extérieur. Alors, le club de marche à l'extérieur est autorisé. Alors, 8 personnes maximum. Et ce n'est pas encore autorisé d'aller faire une marche sur le terrain en groupe. Alors, on peut faire dans le jardin individuel, mais ce n'est pas permis encore d'aller en groupe dans les jardins. Ensuite, la bibliothèque, elle n'ouvre pas encore. Alors, le prêt des livres, ce n'est pas permis encore. Alors, on a bien hâte de pouvoir vous offrir notre bibliothèque avec nos bénévoles bibliothécaires. Mais écoutez, on y va là, on y va comme ça, puis on souhaite que, bon, dans les prochaines semaines, qu'on puisse ouvrir notre bibliothèque. N'oubliez pas aussi qu'il n'y a aucun partage de matériel. Alors, c'est très important quand on va faire les cours d'aquaforme, il n'y a aucun partage de matériel. Alors, on ne peut pas prendre les haltères, on ne peut pas partager aussi les serpentins. Alors, on va faire notre cours d'aquaforme, mais avec aucun matériel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? J'ai parlé des exercices aussi. On va commencer les exercices au salon. Alors, les exercices au salon qu'on va faire, ça va être le lundi. Vous allez voir sur votre infolettre. Alors, le lundi, avec 10 personnes maximum au grand salon à 10h le matin. Par la suite, il va y avoir le tai chi. Il va y avoir la détente aussi. Et ça va être le mardi à 13h avec 10 personnes maximum. Alors, je vous remercie. J'espère que les gens vont être à l'horaire, que vous allez apprécier l'horaire. J'ai fait en sorte qu'on ait un horaire varié un peu. Si jamais il y a quelque chose, on peut toujours s'adapter. Alors, je n'y vais pas pour emmener vos suggestions, puis on pourra peut-être modifier l'horaire dans les prochaines semaines. Par la suite,
Il va y avoir musclé mon ménage le vendredi à 11 heures. Alors, 10 personnes maximum, encore au salon. Alors, c'est une nouvelle activité qu'il va y avoir. Alors, j'espère qu'on va pouvoir participer en grand. L'important, ce n'est pas d'être, d'être vraiment compétitif, c'est d'être vraiment bon. Muscler vos ménages, c'est un atelier pour la mémoire. Alors, on va tous y aller ensemble. Puis, on va vous donner des trucs. Je vais vous donner des trucs pour la mémoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir la semaine prochaine? Il va y avoir le spectacle de Joanne Blouin à ne pas manquer le 9 mars à 14 h. Et le spectacle de Joanne Blouin va être diffusé au 940. Et encore là, 10 personnes vont pouvoir assister au Grand Salon. Et par la suite, il va y avoir, bon, tous les autres exercices, toutes les autres thématiques. N'oubliez pas qu'on a l'atelier du chef le 9 en matinée à 11 h. Et il y a toujours Antirouille avec la web art, la vitalité exercice avec la web art. On a aussi le karaoké avec la web art. On a le bingo aussi. On a la danse en ligne. On va avoir de la méditation. Alors, on va avoir, disons, un calendrier assez chargé pour les mois, pour les semaines à venir. Et en espérant qu'on ait d'autres assouplissements pour faire de vos journées bien remplies de petit bonheur qu'on va partager ensemble. Alors, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Profitez du soleil aujourd'hui. Et puis, on se revoit au prochain point de presse. Merci. Au revoir.